J'appelais le président Michel. Il jure, votre officier de police judiciaire, d'exercer les fonctions avec dignité, loyauté, humanité et humanité pour nous conformer au droit et au règlement d'armée. L'armée marine vient d'acquérir une nouvelle arme pour mieux mener sa lutte contre l'insécurité, la piraterie et la contrebande dans les eaux maritimes. 97 officiers de la marine nationale sont désormais officiers de police judiciaire à compétences spéciales au terme de 10 jours de formation en deux vagues à Douala. En plus, cela va permettre de donner des capacités à nos officiers de marine de devenir des auxiliaires de justice, ce qui concourt dans l'accomplissement de nos missions régaliennes ou à la conduite de l'action de l'État en mer. Ils sont des différentes bases de la marine nationale camerounaise, Douala, Kribi, Kampo, Limbé, Kondo-Titi et Moulimba. Ils bénéficient ainsi du décret du chef de l'État du 27 décembre 2022 portant sur la répression de la piraterie, terrorisme et atteinte à la sécurité en mer. Les objectifs, c'est donner des rudiments aux apprenants comme officiers de police judiciaire à compétences spéciales pour leur permettre d'exercer leur mission en toute légitimité. À ces nouveaux officiers de police judiciaire à compétences spéciales, il leur est recommandé justice et respect de la loi. Vos actes seront recevables, ne seront légaux que lorsqu'ils seront conformes à la loi avec grand L, conforme aux droits. Désormais outillé, la toute première promotion d'officier de police judiciaire de l'armée marine est prête à sévir et à mettre en pratique toutes les connaissances acquises. Je jure, comme officier de police judiciaire,